Ici c'est Pompon et Pomponnette pour la journée pêche à la bombette. Alors aujourd'hui la météo devrait être favorable pour le sar et autres sparidés. Donc on va préparer le montage bombette. Voilà, donc petite canne à l'heure, fil 40 centièmes, parce que avec la mer d'aujourd'hui, nous risquons de rencontrer du gros. Alors, voici la bombette. Donc nous allons l'insérer dans le fil. Donc je rappelle que le principe de la bombette, c'est un lest, en l'occurrence celui-ci de 45 grammes, qui permet de faire des lancers assez lointains, enfin de grande distance. Et une fois arrivé dans l'eau et immergé, la densité de la bombette est plus ou moins inférieure à celle de l'eau, ce qui donc permet à la bombette de couler plus ou moins vite. Donc nous avons monté la bombette, nous allons prendre maintenant une perle molle. Si elle veut bien rentrer, la perle molle. J'avais préparé normalement des émerillons. Voilà, alors deux émerillons et un rolling au milieu, ce qui permet lors des lancers ramenés d'éviter que votre bas de ligne vrille. Ensuite nous allons le fixer, une boucle, deux boucles, trois boucles, on range le tout, on passe au milieu, hop, on modifie la salive pour éviter que l'huile ne chauffe. Toc. Un petit coup de ciseau. Et voilà la bombette armée sur le fil. Maintenant, nous allons prendre. Donc moi je pêche avec des fishing Ferrari. Ceux-là font à peu près 1m50. Je ne sais pas si je vais conserver une grande longueur vu que les eaux bougent pas mal. Non, il faut 1m20. Voilà. 1m20, on va descendre à 1m. Donc ici, même principe. Allez, je commence, une boucle, deux boucles et trois boucles.
Je repasse à l'intérieur. C'est vive. Coup de ciseau. Et voilà. Le montage est fait. En fait, c'est pas vrai, on a lancé avant, mais. Alors, on a déjà pris un petit pageau. Voilà, vers la bouée, très bien. On va descendre un peu. Deux touches encore. Ah, belle touche. Loupé.
Heureusement, j'ai quand même eu de belles attaques. Mais bon, c'était là où j'étais venu pêcher avec mon grand-père. Donc j'espère que ça va me porter chance, enfin que cela va nous porter chance. Parce qu'à la base, on ne devait pas venir ici. Donc. Ah, on va se mettre là. Là. Tu pêches comme ça, voilà, dans cet angle-là. Moi, je pêche de cet angle-là à cet angle-là.